Coucou à tous, aujourd'hui je vous présente la Glossy Box du mois de juillet d'une façon totalement inédite, tout simplement car j'ai perdu l'enregistrement que j'avais réalisé à l'ouverture de ma box. Du coup j'ai eu cette idée de filmer une vidéo d'une manière totalement inédite. Pour commencer, je vous présente le Glossy Magazine et le menu. Le thème, comme vous pouvez le lire, c'est les poèmes des jours heureux. Premier produit de la marque DHC Rituel 4 temps de beauté. J'ai été plus ou moins déçue. Le savon à l'intérieur m'a complètement desséché. L'huile démaquillante, j'ai pas adoré. La lotion, par contre, je l'ai plutôt appréciée. Puis l'huile nourrissante, je n'ai pas du tout adhéré. Deuxième produit, c'est de la marque Foucault. En fait, c'est une huile décontractante pour les muscles et honnêtement, je suis totalement fan. Pour les huiles essentielles, ça sent vachement. Ensuite, une palette correctrice de la marque Sosusan Cosmetics. Je l'ai utilisée que 2-3 fois, donc j'ai pas trop d'avis, mais vu le prix qui était quand même à 21,35€, j'espère qu'elle va me séduire dans le temps. Ensuite, de la marque Fig & Rouge, une crème pour les mains que je n'ai pas testée. Réellement, je l'ai juste senti comme ça sur ma main, mais en tout cas, l'odeur, elle, tente complètement. Ensuite, de la marque Model Co, c'est un bronzer que j'adore. Et pour finir, nous avons eu comme cadeau une jolie paire de lunettes. C'est dommage pour moi, elle est un peu trop grande. Donc voilà, cette vidéo Glossy Box du mois de juillet est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, c'est vraiment une façon de faire totalement inédite. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous.